Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti sur une vidéo Clash Royale où on va faire du coaching avec BBA qui est un joueur 2.9 qui nous suit depuis un petit moment, qui est un abonné, qui est également un joueur professionnel de poker. Donc déjà c'est assez atypique, voilà, c'est assez atypique, il y a peu de personnes qui arrivent à vivre professionnellement d'un truc aussi compliqué que le poker. Et donc on va discuter un petit peu, donc il va faire une première partie, il va nous poser quelques questions et on va voir qu'est-ce qu'il peut améliorer sur son niveau de jeu, parce que comme je vous l'ai déjà dit, bah c'est vrai que c'est facile de voir des vidéos, d'enchaîner des replays, mais au final des fois on ne capte pas l'information qui est importante, ou des fois on fait des erreurs et on se rend même pas forcément compte qu'on fait des erreurs. Et c'est aussi l'avantage du coaching, et donc ça peut également vous permettre d'apprendre des trucs. Bienvenue à toi, bébé. Eh ben, merci pour l'invitation. En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver de l'autre côté de la vidéo. Yeah, c'est vrai que c'est une première. Du coup, c'est la première fois où tu es sur la chaîne. Ouais, carrément. Alors, tu avais quelques questions, je te laisse les poser. Je te laisse tout me dire. Ouais, alors la première, elle est plus d'ordre technique. J'entends souvent parler du coup de deck no skill et de deck un peu plus skillé, donc je perçois bien la différence, parce que moi-même, quand je veux faire des trois couronnes et monter mon pass royal, je prends mon golem foudre, et quand je veux jouer un peu plus technique, j'utilise... De base, j'utilisais beaucoup tes vidéos et dès que tu disais utilisez ce deck, essayez-le si vous voulez progresser sur le placement et tout. Mm-hmm. Donc il y avait beaucoup de trucs fast cycle forcément. Ouais, souvent. Je passais là-dessus. Donc ma question en fait c'était que, hormis le fait que évidemment long terme c'est beaucoup plus pertinent de tryhard des decks difficiles pour justement maîtriser les placements et se retrouver dans des situations où peu importe le deck qu'on va nous donner, on va comprendre les mécaniques. Ouais, ouais. Mais au final, entre un deck no skill et un deck full skill, est-ce que quelqu'un a vraiment l'avantage? Pour moi, c'est le deck no skill qui a l'avantage, quoi qu'il arrive. En fait, ça dépend. Mais disons que tu vas pouvoir maîtriser plus facilement un ensemble de decks variés s'ils ont un low skill cap. Par exemple, les decks Golem d'Elixir, tu vas les maîtriser beaucoup plus rapidement. Mais Golem d'Elixir guérisseuse, sorcière de la nuit, ça va te demander beaucoup moins d'efforts pour des résultats beaucoup plus forts, beaucoup plus importants. Et du coup, maîtriser ces decks-là, tu peux en varier 2-3. Tu peux maîtriser, je sais pas, le GR Foudre, etc., qui au fond sont pas si compliqués que ça, je trouve. Et tu vas maîtriser plus rapidement un grand nombre de decks, et du coup, tu te retrouves plus rapidement avec un pool varié et qui permet de t'adapter en fonction de la méta. Parce que le but c'est quoi? C'est de maîtriser un deck et ses match-up, enfin de maîtriser un ensemble de decks et ses match-up pour prendre les bons decks dans une méta donnée. Alors qu'au final, le temps de maîtriser un 2.9, tu vas prendre beaucoup de temps et potentiellement ça va être une méta Golem d'Elixir Séisme ou même Golem d'Elixir Foudre et tu vas galérer à mort quoi, parce que ça va être super compliqué. Donc c'est un peu le défaut. Par contre, souvent les decks skill sont des decks, comme tu dis, plus rapides, et les decks plus rapides te permettent d'être moins surpris en x1 et etc, et du coup d'avoir si tu es très fort dessus, d'avoir un nombre de parties qui est gagné qui est plus important, parce que tu auras toujours des réponses par rapport à ce que l'adversaire va vouloir faire. En gros, si tu maîtrises à perfection Golem Foudre ou Arc-X 2.9, il y a plus de chances que tu fasses de 5000 à 7000 trophées en ladder, il y a plus de chances que tu fasses 98% de victoire sur un Arc-X et que tu fasses 80% de victoire sur un Golem. Parce qu'il y en a un qui te permettra de... Le Golem, tu vas avoir une main de départ dégueu, tu ne pourras rien faire. En Arc-X, tu pourras cycler, tu pourras mettre une Tessa, tu vas pouvoir défendre, tu vas pouvoir t'en tirer. Et si tu maîtrises vraiment bien le match-up, tu vas pouvoir mettre la pression, faire en sorte que l'adversaire fasse une erreur ou réussir à faire un wood cycle, un truc comme ça. Ok, donc c'est quand même principalement juste la manière d'aborder le jeu, est-ce qu'on a envie de se prendre la tête ou pas, quoi. Voilà, exactement. Et il y a des decks vraiment qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres. Il y a des decks, alors pour moi c'est la seule vraie différence. Enfin, entre autres, mais c'est qu'il y a un deck qui va te demander de prendre 500 décisions dans la partie, l'autre qui va t'en demander 100. C'est toujours des décisions, c'est toujours pas évident, tu peux toujours te rater, tu peux toujours faire des misplays, avec l'un ou avec l'autre, mais t'en as un qui va te demander d'en faire beaucoup plus souvent. D'accord. Si tu vois l'idée, quoi. Par exemple, voilà, tu vas devoir savoir comment tu vas recycler ton esprit glace, faire quoi, faire machin. Si tu joues Molosse, tu poses ton Molosse, t'attends un peu ton élixir, tu poses tes cartes à 5 d'Alex. Mais tu vois, t'es plus tranquille. Tes décisions, tu les prends tranquillement parce que t'en prends 1, 2, 3 toutes les 10 secondes. En 2.9, tu vas les prendre à la chaîne, quoi. En gros. Ouais, je vois très bien. Ok, bon, c'est un peu l'idée que j'avais aussi. Voilà. Donc, ça, c'était la première question. Ouais. Alors, la deuxième question par laquelle je commence, est-ce que tu connais des méthodes d'entraînement? C'est une bonne question. Relatif à CR, des méthodes d'entraînement.
Honnêtement, j'ai pas bâché le sujet, mais moi je l'aborde un peu comme n'importe quel topic, c'est-à-dire que il faut passer plus de temps à comprendre avant de passer du temps à appliquer, parce que si tu joues et que tu n'apprends pas, enfin, pour moi, jouer et vouloir apprendre seul, c'est une aberration. Même si tu regardes toi-même tes replays, tu ne vas pas comprendre quels étaient les trucs que tu aurais pu faire parce que tu ne l'imagines même pas. Et c'est un peu le Bah oui, c'est souci. des incompétences inconscientes. Exactement, voilà, c'est ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Et du coup, pour moi, le plus important, c'est de déjà prendre le temps de bien regarder ceux qui savent comment ils font. Donc, par exemple, si Ouais. t'avais à l'apprendre 2.9, bah, regarder les vidéos de Lemon Tree, par exemple. Ou même, enfin, même moi, tu vois, je m'y connais pas trop mal en 2.9, je suis pas Lemon Tree, mais je connais beaucoup de principes. Bah, du coup, je pourrais plus facilement apporter les choses ou te dire, bah, tiens, il y a ça que tu peux faire, il y a ça que tu peux faire, il y a ça que tu peux faire, que quelqu'un qui ne connaît pas ou tu ne penses même pas que tu dois pouvoir faire ça. Donc, il y a une première phase qui est d'apprendre, découvrir un petit peu. Et après, bah, là, c'est du bash, donc c'est jouer soi-même, faire de l'analyse de tes propres replays, donc te dire, ok, j'ai fait telle erreur, pourquoi j'ai perdu là-dessus, tel match-up, est-ce que je pouvais vraiment faire quelque chose? Si oui, qu'est-ce que je pouvais faire autrement? Et sinon, après, bon, il y a beaucoup tout ce qui est positionnement, mais ça, c'est aussi beaucoup regarder quels sont les positionnements et pourquoi. Genre, bah, connaître le positionnement de l'Arc-X contre la boule de feu, le positionnement contre le poison, savoir quelle est la différence entre un Arc-X posé haut intérieur extérieur gauche, haut intérieur gauche, haut intérieur droit, haut extérieur droit, suivant les match-up. Et ça, bah, soit c'est en raisonnant soi-même, soit c'est en bâchant des replays, quoi. Il y a beaucoup de ça, et après, ben, c'est beaucoup aussi d'être à l'aise sur le jeu, à l'aise sur le fait de poser rapidement ses cartes, savoir exactement quel est ton délai que tu peux te permettre de mettre sur un golem de glace pour qu'il prenne l'aggro sur le bébé dragon avant les archères, connaître exactement la distance entre tes unités pour éviter une foudre sur deux trucs, enfin tout ça, quoi. D'accord, très bien. En fait, je rebondis sur ta réponse pour te dire que justement, moi, ce qui m'a fait complètement décrocher des autres contenus Clash Royale que je regardais et basculer, on va dire, quasiment exclusivement sur toi, parce que direct, quand j'ai vu tes vidéos, tu as commencé direct à parler de stats, à dire attention, il va prendre la boule de feu, je rappelle, c'est 200. Rien que se dire que tu avais fait la démarche de simplement connaître toutes les stats, je pense que c'est déjà plus que 95% des gens. Alors après, tu as d'autres démarches que j'ai pu voir, comme aller sur les sites Royal API, etc. Toujours aller chercher les informations, c'est déjà une démarche importante. Donc je te demandais s'il y avait des méthodes d'entraînement. Par contre, par exemple, j'imagine que des fois, on pourrait se mettre en 1v1 avec un copain pour faire des expériences sur le jeu, on va dire. Ah ouais, bah ça c'est ce qu'il y a de plus souvent, hein. Les pros ils font ça, c'est beaucoup de 1v1. C'est comme ça que tu fais souvent en coaching également, hein. Tu fais du 1v1, soit sur les match-up. Après, moi ce que je fais beaucoup, c'est que je demande beaucoup l'avis à d'autres personnes. De regarder en fait, de dire ok, moi j'ai joué comme ça, quel est ton avis là-dessus? Parce que bah, souvent c'est obtenir un recul extérieur également qui est pas forcément le tien, ça aide beaucoup, hein. Ça, des joueurs quand ils veulent progresser, avoir des pairs avec lesquels ils peuvent échanger et progresser, c'est super important, hein. Petite question annexe, du coup, c'est un petit bonus. Du coup, est-ce que tu penses que c'est l'augmentation de la popularité de Clash Royale et des prize pools en compétition qui, du coup, créeraient plus de team pro, etc., qui pourraient déboucher sur des potentiels software d'entraînement ou des méthodes plus poussées, quoi. C'est possible, c'est possible. Après, je sais pas si Clash Royale ira jusque-là un jour. Mais Je le souhaite de tout cœur. voilà, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est pas aussi poussé que dans l'univers du poker où t'as des mecs qui, enfin, tu vois, t'as par exemple pas de programme qui te permette de gérer, genre, ah, t'as 3 d'élixir, tu dois défendre ce pêche à 8 d'élixir. T'as pas des Ok, trucs comme ça sur d'accord. le jeu, tu vois. Il y a plein de possibilités. Tu pourrais faire plein de trucs. Les élixirs peuvent faire plein de trucs. Bah, du coup, dernière question qui est un peu en lien avec celle d'avant, c'est quels sont tes conseils à toi pour mettre un pied finalement dans l'aspect compétitif de Clash Royale. Bah, c'est simplement se tenir au jus des compétitions et puis les faire. Il y a pas mal de compètes individuelles. Tu vois, par exemple, Skyfrost, il a gagné les qualifs Red Bull MEO. Ça va lui permettre d'aller en LAN faire la compétition Red Bull, de gagner un bon cash prize s'il l'est. Dans tous les cas, il gagne de la visibilité. Sinon, il y a le truc qui est assez basique, mais assez souvent sous-estimé des joueurs, c'est de ladder. Faire des finish top 3 ladder, t'es sûr d'être repéré par les équipes et d'être contacté derrière, donc c'est sûr, 100% sûr, tu te fais contacter par des équipes au minimum semi-pro si tu fais des finishes top 3 ladder. Donc après, voilà, il y a par exemple ladder, voilà, c'est un très très bon moyen parce que c'est directement sur le jeu, sinon c'est se tenir au jus, faire les petites compétitions à droite à gauche, que ce soit par équipe, par machin, et ça peut aller très vite, hein, d'avoir une place après,
de réussir à, en tout cas, avoir la visibilité dessus. Mais faut bâcher, quoi. Faut bâcher, il faut réussir à faire des compètes, etc. D'accord, très bien. Et ben voilà, c'était tout pour mes questions. Top, 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 top. Moi, je te vois en haut, mais bon, c'est pas très grave. Je vais inverser mon cerveau, ça devrait bien se passer. Donc là, t'as l'esprit. Et cette fois-ci, il va connecter, parce que du coup, il a pas une tour niveau 12. Ça, c'est bien. Tu bûches, moi j'aurais mis boule de feu ici parce que généralement c'est qu'il y a un gang avec. Mais... Oh, ça c'est. Ah oui, je crois que je l'ai fait plusieurs fois cette erreur. Ça c'est. Tu vois, c'est l'aspect panique et manque de connaissances. Ouais, c'est clair, je vois. Mais tu sais que même si tu la mets vraiment proche du cochon, dans tous les cas, elle est tellement forte la testa qu'elle le dégomme. Ça par contre, c'est super intéressant, je sais pas si c'est volontaire, mais t'es parti en Orkix au moment où il a posé le mineur. Bah, j'ai eu l'impression de pouvoir profiter davantage d'élixir. Honnêtement, je sais même pas si je l'avais vraiment. Ouais. Mais, même là au replay, j'ai pas jeté un œil à la barre. Parce que moi, je fais ça. Hein. S'il y a un mineur en face, je pars en Arc-X, Arc-X avec du soutien direct. Là, pareil, la TC. Ouais, faut la mettre plus haute. Hein. J'ai pas compris parce qu'il a commencé à dévier. Ouais. Mais en fait, si tu mets les bâtiments sur cette case-là, le cochon dévie. C'est pareil avec la bélier, mais il va quand même sur la tour. Donc il dévie légèrement, mais il va quand même sur la tour, sur ce positionnement-là des bâtiments. Quand il... C'est l'extérieur qui compte ici. Hein. Là, il y a un truc que j'aime bien dans ce genre de situation, à ce niveau-là, entre fait, c'est que le mec me met un bébé dragon, mais au final, quand je tank devant, il me prend cher quand même. Carrément, carrément. Là, du coup, tu vas attendre que ça focus et mettre les archères, j'imagine. Je pense bien. Ouais, ouais, ouais. Ron, du coup, tu prends cher. Heureusement, ouais. C'est l'option mineure qui a fait la diff. Ouais, je vois. Moi, sur Arc-X, j'aurais pas mis le golem de glace ici parce que t'es en x1 et que je préfère mettre moins de dégâts sur le bâtiment et pas prendre de dégâts chez moi que. Tu vois, je préfère gérer le B-Dragon chez moi au golem de glace que de gagner 500 dégâts sur la tour en face pour m'en prendre 500. D'accord. Parce qu'en fait, Arc-X, c'est pas un deck qui trade tower, c'est un deck qui gagne en 1-0. Ouais, très souvent, c'est vrai. Enfin, c'est ma vision, hein. Je te dis après, c'est pas pour autant que c'est 100% vrai, mais souvent, je pense qu'il vaut mieux être plus défensif et mettre un peu moins de dégâts que de 3 puis un Arc-X. Bah là, tes bûches, elles sont nickel parce que tu les mets bien. Sur là, vu que tu sais qu'il n'y a pas de gang de gobelins, enfin de fuite de gobelins, t'es pas gêné là-dessus. Là, il me semble que je dois commencer à me dire qu'il faut spell cycle, tout simplement. Mais c'est pas déconnant hein, que t'aies fait ça. Hein. Vraiment, c'est un bon play, je pense. Parce que là, tu sais que tu peux gérer ces cochons, ces mineurs, tu les gères avec les petits squelettes. Et. Là, à ce moment-là, ce qui est cool, ce qui est jouissif avec ce deck, c'est que ça va très très vite de spell cycle. Là, tu peux rebuche, ça va tempo tout le monde. Puis t'as juste à reboule de feu, t'as gagné. Franchement, c'est bien joué, hein, t'as pris une bonne fenêtre. Hein, c'était super intelligent de partir en spell cycle. Donc, à ce niveau de trophée, en fait, ce qui me sauve un peu, c'est que le niveau est faible, ouais. Le mien aussi, hein, et que malgré des misplays qui m'auraient coûté très très cher, qui m'auraient coûté la game le plus haut, je réussis quand même à m'en sortir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis carrément d'accord avec toi. Et là, tu vois, c'est un peu un échec et mat que tu lui as fait, quoi. Tu lui as dit, ok, mais en fait, quoi que tu fasses, moi, en spell cycle, j'irai plus vite que toi si tu push avec ton cochon, parce que je peux def avec la Tesla, et ton mineur, je peux le def aux archères plus que l'aide, quoi. De mémoire, c'est pas un super match-up. Alors là, je pose un Arc-X défensif, je sais pas du tout si c'est la bonne réponse. Si, si, c'est un bon match-up, hein, en général. Faudrait quand même que tu aies fini sa droite. Hein. Ah non, c'est bon. Et d'ailleurs, la roquette 11, c'est pour ça. N'hésite pas à la mettre au milieu, la Tesla. Là, tu vois, tu l'as mis à droite. En fait, si t'as le doute, tu la mets toujours 3 cases en dessous au milieu. Au milieu, vraiment très centré, 3 cases en dessous du pont. Et après, tu varieras les positionnements en fonction de... Ouais, c'est bien joué, ça. Super. Je sais pas si j'aurais dû la reposer en deuxième, c'est un peu overcommit. Ouais, ouais, t'avais pas besoin. T'avais pas du tout besoin. Ouais, il y en a qui tapent, ok, j'ai... Ça va, c'est pas très grave, tu prends qu'un coup. Ça c'est vraiment un bon match-up. Faut pas hésiter à la jouer assez agressif, celle-là, ce match-up-là.
C'est-à-dire poser des archers offensifs. Mais joue ton jeu, hein, joue ton jeu tranquille. Hein. Je vais reposer une Tesla Middle. Ah, j'ai posé trop basse. Trop basse, ouais. Vraiment, tu peux la poser, je te dis, 3 cases en dessous, donc 2 cases au-dessus de ça. Ok. T'auras les squelettes pour gérer le prince. Là, tu vois, t'as pas besoin de le bloquer au niveau du pont, hein. Tu peux le laisser vraiment descendre plus. Ouais, j'aurais dû le laisser. Il aurait pris plutôt. Ouais. Alors, au final, le tempo pas trop mal, mon. Ouais. Donc maintenant, tu peux ne pas hésiter à partir plus offensivement. Alors, c'est une case plus à droite, par contre. À gauche, là, il connecte pas. L'Arkix, hein. Mais c'est pas grave, parce qu'il l'a pas vu, lui, donc il te roquette, mais... Ça, faut gérer aux archères ou aux squelettes. Re-Arkix à gauche, faut outcycle, hein, la roquette. Faut que tu cycle et que tu outcycle, en fait. Ah mince. BDF d'urgence. Ouais, tu vois, du coup, vu que je suis allé vite, je l'ai collé. Ouais, je vois. Mais c'est normal, ça c'est une question d'habitude de temps de jeu. C'est pas grave. Oh là, si une très belle bûche normalement. Le dart. Le petit dart. Ah, il a pas pris de dart. Dommage. Voilà, c'est un peu la panique du coup. Ouais, je comprends. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Ouais, il est très bien, Star Kicks, hein. Très bien positionné, parfait. Ah, j'ai pas le temps pour la bûche, sérieux. C'est bon, t'as eu le temps. C'est limite si je laisse pas taper avec la princesse. Ouais, du coup, il y a une deuxième, ouais. Allez, positionne-toi. C'était pas ouf. C'est pas l'archiste de l'année. Oui, il me donne une belle bûche encore. Ah, par contre, parce que je commence à prendre cher à droite. C'est ça, ouais, t'as perdu là. Il est à portée de roquette dans tous les cas. Après, moi je te dérange pas parce que ben, c'est compliqué de jouer en étant dérangé par quelqu'un qui dit faut que tu fasses ça, tu vois. C'est forcément chiant, hein, donc c'est pour ça que j'insiste pas pendant les parties. À reprendre le replay, ce qu'il faut faire, c'est réussir à outcycle avec tes Arkix. Donc c'est en gros, tout le temps, t'es agressif, Arkix, Tesla au pont. La seule fois où tu vas pas poser un Arkix avec une Tesla, c'est quand tu voudras utiliser ta Tesla pour défendre du côté de la princesse. Et au pire, du coup, tu réutilises cette Tesla après pour partir en Arkix à l'endroit où t'as défendu. Parce que souvent, il va mettre les princesses sur la line opposée, là où tu poses les Arkix. Tu vois ce que je veux dire? Ici, là, t'aurais pu boule de feu la princesse. Bon, tu décides d'Arkix Def, c'est pas très grave. Là, il a une value roquette avec la tour, donc il la prend. Parce que quand tu vois une princesse en face, c'est souvent roquette, donc faut poser au milieu l'Arkix. Si tu vois ce que je veux dire. Ah, tu m'entends plus? Si tu peux juste répéter. Oui, donc je disais, là il t'a mis une roquette parce qu'il pouvait faire une value avec la tour. Si tu veux poser un Arkix défensif contre Logbait, pourquoi pas, mais faut le mettre au milieu. Faut faire gaffe à ce que la roquette puisse pas te toucher, quoi. Si tu vois l'idée. Ouais, très bien. Et donc du coup, les Tesla sur ce match-up, il y a deux façons de les utiliser. Bon, alors, enfin, c'est encore pas très grave, mais en x2, c'est soit tu les mets avec ton Arkix pour aller tuer rapidement les fripons et princes en face, soit tu les mets sur la lane opposée pour gérer la princesse. D'accord. Parce que là, au final, on voit que j'ai posé une Tesla, mais elle se vide juste de sa vie sans rien faire. Exactement. Après, si t'es en galère pour défendre un prince, une Tesla et des squelettes, ça marche bien. Mais dans l'absolu, généralement, c'est plutôt un match-up où tu vas aller jouer offensivement tes Tesla. Et soit tu l'utilises, comme je te dis, sur la princesse. Et si tu l'utilises sur la princesse, souvent, ce que tu vas faire, c'est recycle un Arkix de l'autre côté. De l'autre côté, là où t'avais ta Tesla, pour la rentabiliser. En fait, parmi tout ce que tu es en train de dire, ce qui me paraît contre-intuitif, dès le départ, du coup, c'est de savoir qu'il y a des match-ups où il faut partir aggro en Arkix. Oui, il y en a, il faut jouer très très aggro en Arkix, ouais. Disons que ce que je vois le plus souvent, c'est des défenses, les Arkix posés défensivement, et puis à la fin,
quand on a fait un gros gain en termes d'élixir sur le match, on commençait à les spam, entre guillemets. Ouais, alors y a deux façons et ça dépend les match-up. Mais dans ce cas-là, alors tu peux le poser défensivement, c'est pas nul. Sur ce match-up-là, c'est pas nul non plus. Mais t'as pas besoin. En fait, si tu pars offensivement, dans tous les cas, avec les Vayu, tes boules de feu, ton Glaive de glace qui t'empote, t'as Tessa, il va trop galérer. Au pire, tu mets une bûche offensivement et tu défends qu'au squelette pendant une ou deux fois. Ou au pire, tu mets une bûche offensivement et tu défends la boule de feu. Mais quoi qu'il arrive, en fait, tu vas lui mettre tellement de pression que lui, là, il aura jamais sa roquette à temps, parce que toi, tu vas aller beaucoup plus vite que sa roquette et il pourra jamais poser son jeu. D'accord. C'est pour ça. Après, tu vois, là, si tu voulais poser des Arc-X défensivement au milieu de map, tu pouvais aussi. C'est pas nul non plus, parce que dans tous les cas, ça l'embête aussi. Et ouais, là, il y avait la boule de feu, ça avait coûté assez cher aussi en élixir. Et souvent, je trouve que du coup, le prince, tu le défends assez haut. Tu le laisses pas assez vivre sa vie et mourir chez toi. D'accord. Là, tu vois, par exemple, les archères, t'avais pas besoin de les mettre de l'autre côté. Ce qui fait que là, t'as pas pu gérer les princesses. Et c'est là où c'est commencé à devenir compliqué du côté des princesses. Et vu qu'il y avait des princesses déjà en vie, là, tu pouvais limite te permettre, comme tu le disais, de mettre un Arc-X au milieu de terrain. Et ça aurait clean Ah, des c'est vrai. princesses, quoi. C'est vrai. Je les ai tellement négligés en me disant, ok, je laisse taper un peu, mais au final, ça Ouais, s'est très vite accumulé. ça fait vite mal, ouais, exactement. Après, les bûches, des fois, tu l'utilisais aussi quand il n'y avait pas encore assez de value à faire. C'est un deck qui aura toujours des value à faire sur la bûche, mais faut pas. Des fois, il vaut mieux les garder défensivement quand même, les bûches. En gros, c'est soit ils donnent vraiment une grosse value offensivement, et là, t'hésites pas à bûche, et tu sais que ça va faire connecter l'Arc-X. Soit tu y vas tranquille et tu le forces un petit peu à l'erreur, et. Dans tous les cas, vu que lui, il aura beaucoup plus de mal à connecter sur ta tour que toi à connecter sur la tienne, sur ce match-up-là. D'accord. Donc oui, les bûches, moi effectivement, je pensais justement qu'il fallait gratter, gratter le plus possible. Ça dépend du match-up. C'est vrai sur PK, c'est moins vrai sur un Logbait en face. Parce que tu vois, du coup, c'est fût de squelette, tu galérais dessus. Des fois, c'est bien, tu dis, ah, ok, je vais utiliser ma bûche offensivement, c'est pas grave, je vais défendre juste au squelette son truc. Et je sais qu'il aura pas d'unité à mettre sur sa tour avec, parce que dans tous les cas, il est obligé de défendre mon Arc-X. Donc, un fût seul défendu avec des squelettes, il fait pas si mal que ça. Il fait quelques dégâts, mais c'est correct. Par contre, un fût, si tu le défends qu'au squelette, mais qu'il y a un fripon qui tank, tu prends un tarif monstrueux. Donc après, ça dépend vraiment de comment la partie se joue, mais souvent, c'est à l'Arc-X d'imposer son rythme. Sinon, bah voilà, il se passe comme là, l'autre a fait, il commence à imposer son rythme. T'arrives pas à défendre les princesses au pont et tout, ça devient un peu galère. Alors que si c'est toi qui le mets, ben, il a plus de mal quoi. Après, je suis d'accord avec toi sur ce que t'as dit sur le 2.9. Dans la plupart des match-ups, si tu pars défensivement avec un Arc-X milieu de terrain, ou anti-positionnement de boule DF, ou anti-poison une fois que tu sais ce que c'est, bah ça te permet d'être beaucoup plus tranquille sur la partie et de faire def, 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 et après poser un deuxième Arc-X offensif. C'est la façon la plus simple de l'emporter en Arc-X quand tu débutes. Je pense. Pareil, je te laisse un peu jouer ton jeu, joue tranquille. J'essaie de Ouais, ça marche. pas trop te déranger hein, pour que tu puisses jouer un peu comme tu le sens toi. Ça devrait passer. Okay. Ça va, zéro dégâts. Juste, tu peux me dire si tu penses que c'était bien là, ce golem de glace? Ouais, moi j'aime bien. Après, souvent, je préfère quand c'est un esprit de glace. Là, tu l'avais pas en main. Mais c'est pas un play déconnant. En fait, souvent, avec deux d'élixir, tu vas forcer plus d'élex. Là, tu vois, t'as forcé 4, donc c'était forcément value comme play. Après, dans les faits, il aurait pu ignorer le golem de glace, gérer tes archères et t'aurais dû défendre le dragon, mais il l'a pas fait, donc tant mieux. Ah, là, c'est là où je pourrais Ah, dire il y pas a eu mal de quand choses même. après coup. Ok, ça Parce marche. que les méga chevaliers, c'est particulier en Arc-X. Alors, est-ce que... Ah, gars, ici, ça déconne pas. Il y a la win condition devant. C'est ça. Ah, là, j'ai l'impression d'avoir pris pas mal de retard. Ouais, mais il a claqué un bourreau, donc ça va.
Vous avez autant d'élex, t'as un tout petit peu plus et il a un bourreau donc faut que tu le gères pour pas grand chose. Là, t'as de nouveau le golem de glace, c'était bien. Ok, t'as ça. C'est pas grave, hein, c'est bien, t'as ça aussi. Pas si mal cette Tesla au final. Non, non, clairement. Là, il va sûrement repartir en recrue, lui. Genre de match-up, il a pas de sort, donc faut que t'hésites pas à poser un Arc-X défensif aussi. Hein. Middle map, hein, tranquille. Reste là. Allez, on a une boule de feu d'une vie là. Ouais, il y a une bonne boule de feu à faire. Hein. Ok. Bon, oh, okay, t'as un bon avantage. Hein. Je crois que je vais spell cycle en fait. Bien sûr, bien sûr. Là tu bloques. Hein. Tu marques XDF, tout ça, et tu bloques. Hein. Allez, tu défends lui et t'as gagné. ça ira, ça ira. Nice. C'est bien, c'est bien. Elle était nickel cette partie parce qu'il y a beaucoup de trucs que je vais pouvoir te dire aussi dessus, donc c'est cool. Alors, Arc-X, bon, déjà là, ici en face, il n'avait pas de win condition. Donc, déjà, c'est un avantage pour toi. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il pourra pas aller vraiment sur ta tour. Et si tu la joues tempo, tu peux def à l'infini. Là, il a posé ses recrues fond de map. Je pense que tu as bien fait de partir en Arc-X défensif là-dessus. De toute façon, il y avait deux options. Soit tu cyclais fond de map et tu mettais ton. Tu cyclais fond de map et tu récupérais ta Tesla, tu mettais ta Tesla au milieu et tu recaillais tout le monde au golem de glace. Soit tu sais ce que tu as fait là. Le golem de glace était vraiment très bon. Boule de feu, bon c'était questionnable mais ça n'a pas changé grand chose. Là t'avais pas besoin non plus des petits squelettes mais c'est pas très grave non plus. J'ai eu l'impression que sinon les gargouilles auraient défoncé l'Arc-X beaucoup plus vite et peut-être que j'aurais pris des dégâts, non? Non, non, je pense pas, non. Après là en plus il est niveau 9 son Bedragon donc ça tombe assez facilement. Donc à partir de ce moment-là, tu sais toujours pas qu'il a le méga chevalier. Là, on a vu le début de ses cartes. Là, honnêtement, à ce moment-là, je me souviens que je savais pas quoi faire. Avec moi, j'aurais cyclé une bûche. J'y ai pensé, ouais. Quand c'est comme ça, je cycle les petits trucs. Donc là, il a mis le sorcier, t'as mis un Arc-X assez haut là-bas. Et donc là, il y a plusieurs options. La plus simple, enfin, pas la plus simple, mais la meilleure en tout cas, c'est de laisser ton Arc-X se faire connecter dessus par le méga chevalier et mettre le méga chevalier sur le roi. Ah, alors ça je sais pas du tout faire. Et effectivement c'était pas du tout intuitif. Non ça l'est pas. Mais contre méga chevalier c'est très très simple en 2.9 de le mettre sur le roi parce que t'as tout en fait. T'as l'esprit de glace, t'as le golem de glace, enfin t'as l'esprit de glace et t'as les squelettes. Et là ton Arc-X c'était déjà au milieu, le méga chevalier aurait déjà sauté dessus. T'avais juste à remettre une carte et tu actives le roi avec ça. Et une fois qu'il est mis donc, sur le roi. Oui. Non mais bah une fois qu'il est mis sur le roi, le match-up est souvent beaucoup plus simple aussi. Hein. Mais du coup pour le mettre sur le roi, il faut que je mette par exemple un golem de glace juste devant le roi après que le méga chevalier est... Donc plutôt souvent squelette et esprit de glace c'est beaucoup plus simple. Mais là en fait il saute sur l'Arc-X, ok, il le tue, parce qu'il l'aurait tué. Et là à partir de là, t'as juste à remettre des squelettes un peu devant ton roi, il aurait sauté dessus et tu l'avais. T'avais les squelettes ah en ouais, main. Ah ouais, il aurait rejump, ok. Ouais c'est ça exactement. Ce que je voulais savoir. Là tu pouvais mettre la boule de feu avant le golem de glace. Et quand t'as fait tes kites pour tempo les troupes, tu les fais très haut toi. Faut vraiment que tu les mettes plus au milieu chez toi, les troupes en face. Là, tu vas le revoir sur la fin de partie. Tu vois, tu cycles ta bûche, donc ça c'est bien. Hein. T'as raison de cycler ta bûche. Moi j'aurais un peu plus attendu, mais au final tu prends quand même le sorcier, donc c'est cool. Ah, tu vois, plus de chance qu'autre chose le sorcier, oui. Pareil, le Bédragon, t'aurais pu le bloquer avant qu'il connecte, mais c'est pas très très grave. Donc tu respectes sa gueule, et ici tu vas mettre l'esprit de glace assez haut. Moi j'aurais mis un peu plus à droite et pareil là le golem de glace j'aurais remis moins haut. En fait là tu les donnes vraiment tôt aux troupes. Le but c'est aussi de les faire courir pas mal dessus quoi. Ouais ok. Le kite souvent c'est de mettre à la distance. Les troupes ont une notion de distance de vue en fait à la partie desquelles ils vont aggro. Et le but souvent
Alors c'est pas tout le temps vrai, mais souvent c'est soit de les mettre sur l'autre lane avec le golem de glace, soit de se mettre à la distance maximale de vue pour qu'ils passent un maximum de temps à courir chez toi pendant qu'ils se font taber par la tour de la princesse, le tour de la princesse, potentiellement le roi si tu l'as activé, la Tesla, l'arc X, etc. Et du coup, pour un méga chevalier comme ça, le golem de glace, il faut que le kite le fasse rejump ou tu te mets à la frontière où il jump pas? Alors moi je le fais, ça dépend. Si tu le gères au golem de glace, souvent tu le fais aller de l'autre côté sur l'autre lane, donc tu le fais tourner simplement à droite sur l'autre tour, et pendant que tu le DPS avec des archers, une Tesla, etc. Voilà, donc en fait t'as plusieurs options. Soit tu fais ça, soit suivant la défense que t'as, tu le poses juste devant, il va taper, il va perdre du temps à tuer le golem de glace. Soit tu le défends avec squelette esprit de glace pour activer le roi. Parce que par exemple, s'il le met au niveau du pont, ben, tu fais juste squelette esprit de glace, tu actives le roi, hein, t'as pas besoin de plus. Et sinon, ben, c'est simplement, tu mets le golem de glace au niveau du pont, mais t'as déjà ta Tesla et ton Arc-X qui vont taper dessus et t'essaies de le tuer le plus vite possible. D'accord. Donc ça va dépendre, ça va vraiment dépendre. C'est pas facile à gérer un méga chevalier, ça demande beaucoup d'entraînement, mais une fois que tu arrives, ça, c'est une troupe, tu peux un peu la manipuler comme tu veux, tu vois ce que, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Il faut vraiment jouer sur ça, sur le fait que c'est une troupe qui est lente et qui saute, et du coup, vu qu'elle saute, tu peux l'amener vraiment plus facilement à l'endroit où tu veux. Ah, il part, donc là tu def. Je suis obligé de mettre ça. C'est pas grave, pas besoin d'esprit glace par contre, mais... Ah ouais, okay. Ça fait beaucoup d'élex, là il a 6 d'avance par rapport à toi. Ah oui, ok. Donc là, il va falloir forcément que tu tempo. Ouais, du coup je profite pas de la... J'ai pas profité de la BDF contre la tour parce que j'ai... Non, il fallait pas, ça aurait été une erreur... Ouais, exactement, ça aurait été une grosse erreur. Là au final tu te remets bien parce qu'il leak, donc là tu peux roter ça. Faut appuyer par contre, hein. Voilà, parfait. T'as pas besoin, ouais, mais c'est pas grave. En trop. Je connais pas encore les limites au final, donc... Moi j'aurais tendance à dire, en x1, dans le doute, tu rajoutes pas trop. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se prendre un coup que de perdre un point d'élixir, pour moi. Enfin, ça dépend, mais... que 2 points d'élixir, en tout cas, c'est sûr. Ok, c'est bien aussi, ça. C'était un peu dans l'urgence, mais... C'est pas grave, c'est pas gênant. Là, il est toujours devant un élixir, donc faut que tu prennes le temps, il va... Sûrement cycler fond de map ses cartes. Il va cycler quoi là. Voilà. Toi, il va falloir que tu cycles aussi pour pas qu'il loot cycle avec son cochon. Là, faut que tu cycles tes cartes aussi. Voilà. Exactement. Lui, il récupère son cochon dans 2 cartes. Dans une carte. Il a son cochon en main là. Ah, est-ce que je ne suis pas planté là? Si, ouais. Ça marche, mais il faut le faire que quand il arrive le cochon. Et dans tous les cas, les Tesla, faut pas les pré-shot, faut les mettre réactivement par rapport au cochon. Sinon, lui, il peut mettre des boules de feu ou autre, ou de gérer comme il veut. Ok, c'est bien joué parce que tu savais qu'il allait mettre canon. Rond de la bûche était mieux à gauche du coup. Il valait mieux juste gérer la mousquetaire avec des squelettes et pas mettre de bûche dessus. Ce qui t'aurait permis de repousser le cochon. Je l'ai mal timé, je crois, la mousquetaire a mis des coups. Ouais. Alors, je te redirai aussi après le match, hein. Là, je t'ai joué ton jeu. J'aurais dû les splitter, petite erreur encore. C'est pas grave. Tu vas prendre une boule de feu, mais c'est pas dramatique. Du coup, il la mettra pas sur la Tesla, donc... Tesla, dommage. My bad. C'est pas grave, c'est pas grave. Connect. Ok.
C'était pas bon. Tu vas vite le voir. Hein. Oh, mais j'ai raté la. Oh là là là. Ça pourrait être la game. Allez, dans 3 secondes, il y a le x3. Il va falloir que tu spam. Hein. Je te préviens. C'est spam land le x3. Hein. J'ai limite envie de me poser en def. Je sais pas si c'est bon. Je te dirai après la game. Hein. Dans tous les cas, je peux te dire. Oh, très belle ta boule de feu. Hein. Très bien joué ça. Ça pourrait retourner la game potentiellement. Ah, leak pas, leak pas, leak pas. Ouais. Bloc à gauche, hein. Bloc à gauche, il va falloir te mettre un truc, voilà, parfait. Ok. Bloc à gauche, toujours. On est connecté. Normalement, c'est terminé. GG! La, ta fin était beaucoup plus propre que le... Enfin, t'as très bien joué à la fin. Ouais, j'ai essayé de... De pas être sous le coup de l'émotion. Je pas en termes exagérés, mais des petites émotions qu'on ressent tout le temps. Je me suis dit, ok, don't panic. Ouais, c'est clair. Non, mais je comprends, je comprends. Alors, 2.6. Souvent, contre 2.6, tu as envie de garder 4 d'élixir et ta Tesla, toujours, pour pouvoir défendre un éventuel cochon sur l'autre lane. Voilà. Égal cycle, quoi. Enfin, quand je l'ai pas en main. Ouais, ouais. Bah là, tu l'avais pas en main, donc... moi, j'aurais pas mis l'Arc-X. J'aurais mis... En fait, il a mis le cochon où t'as mis les archères, donc bon, déjà, t'aurais peut-être pu mettre des archères à gauche, mais c'est pas très grave. Mais j'aurais préféré mettre une boule de feu def qu'un Arc-X, je crois. Mais c'est pas grave, hein. Enfin... Ça t'a coûté cher, quoi. C'est un peu le souci. Mais bon. Après, voilà, ça c'est la main de départ. Bon, t'avais pas la Tesla, t'avais pas la Tesla. Là, il me semble que tu bûches. Tu peux la bûcher plus tard, hein, histoire qu'elle ne mette pas de coups sur la tour. Ah, ok, ouais. Ça, je connais pas encore aussi ces petits tips de timing. Ouais. Donc là, il part en cochon machin, donc tu mets Tesla archère, c'est très bien. Moi, là, les archères, je l'aurais mis à droite de base pour éviter une boule de feu value sur un. Là, il pouvait boule de feu tes archères, ta Tesla, il gagnait la partie. Hein. D'accord. Il avait l'élixir, tout ça, donc. Là, tu l'as boule de feu, bon, c'est pas très gênant. Là, de toute façon, toi, t'auras recyclé pour son cochon dès que t'as recyclé une carte. Donc là, tu recycles bûche, tu l'as, donc c'est parfait. Donc souvent, ouais, t'as envie de garder 4 d'élixir pour gérer le cochon sur ce match-up et garder la Tesla en main. Après, des fois, il est acceptable, une fois ou deux dans la partie, d'uniquement défendre avec des squelettes, ou uniquement défendre avec squelette esprit de glace, ou uniquement défendre avec squelette bûche. Mais souvent, tu mets juste squelette, une fois ou deux dans la partie, comme ça tu fais 3 d'élixir en value et le cochon il met qu'un coup. D'accord. Parce que lui, pour gérer le squelette, il est obligé de mettre un esprit de glace ou il est obligé de mettre une bûche. Si tu le fais une fois dans la partie, ça attendra pas à ce que tu le fasses. Si tu gagnes 3 d'élixir, tu gagnes la partie là-dessus. Là, ta Tesla, il faut les mettre, bah, comme je te l'ai dit, qu'au moment où il pose le cochon, pas avant, parce que tu sais jamais. Ouais. Punition tout de suite. Exactement. Voilà, bon, du coup, en plus, effectivement, il a pu te punir. Là, faut pas hésiter à boule de feu là-dessus. Je crois que tu vas le faire. Non, ok, tu pars en Arc-X à gauche. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Et là, tu pouvais te permettre de mettre direct une bûche, comme je t'ai dit, à gauche. Parce que la mousquetaire seule, ton but, c'est juste la gérer avec des squelettes. Ouais. Comme ça, tu refais 3 d'élixir de value. En fait, souvent, le but contre 2.6, c'est d'être très agressif et de défendre avec un minimum d'élixir. De toujours gérer soit sa win condition, soit bah, en plus faire des values en élixir. Là, pareil, le canon, il connectait pas sur ton Arc-X, il était trop loin, il n'y avait pas besoin de remettre un golem de glace. Après, ça, c'est connaître la portée des cartes, tu vois. C'est pas toujours évident. Ouais. Et là, à ce moment, moi, je pense que je serais reparti en Arc-X Def à gauche. En mode, je reprends la tempo, tu vois. D'accord, j'ai décidé de tempo avec la Tesla plutôt. Ouais, mais voilà, le souci, c'est que du coup, tu l'as plus en main et... bah, ou alors, il peut la pré-shot plus facilement. Enfin, c'est toujours un peu gênant, quoi. Bah après, là, ta bûche est belle, hein, du coup, il te mettra pas de dégâts non plus. Tu vois, les squelettes, ils sont très bien aussi, hein, ceux que t'as mis, là.
Donc là, tu sais qu'il va canon à gauche, donc il faut bloquer à gauche. Il faut Glum de glace à gauche, là. Bon, il a pas canon au final, donc tant mieux, mais... En tout cas, il pouvait le faire. Parce que souvent, ce qu'il va vouloir faire, c'est mettre des canons sur la tête de ton Arc-X. Ou des mousquetaires. Là, voilà, là, le truc, c'est que tu t'es exposé à une mousquetaire et canon, il focus déjà. Donc, quand c'est comme ça, tu vois, ça le dégomme. C'est pour ça que je te disais ça. En plus, la boule de feu ratée. Oh, on a rien vu. On a rien vu. Enfin, c'est le point, il a pris le tarif. Et là, il canon défensif, il devrait jamais faire ça. Il sert à rien, son canon. Donc t'as eu le bon réflexe de partir en Arc-X défensif, parce que comme ça, ça laisse son canon défensif mourir. Comme je t'ai dit, la boule de feu était vraiment très belle ici. Ça te fait une défense parfaite, tu regrattes à la bûche. Donc là, tu te remets presque devant. J'ai l'impression que ça m'a redonné aussi beaucoup de confiance. Ouais, non, c'était vraiment propre. Et là tu vois, t'as fait un niveau de jeu qui était beaucoup plus propre, parce que t'as réussi à lui remettre de la pression avec ton Arc-X. Là, il boule de feu, mais du coup, tu sais très bien que tu peux repartir Arc-X offensivement. Tesla, tu peux canon à gauche pour bloquer. Squelette aussi. Là, fallait pas hésiter. Là, t'aurais du boule de feu sur la Musk et la Tesla. Comme ça, t'aurais pu avoir un lock sur la tour. Surtout en x3, faut pas hésiter à boule de feu sur les troupes. Ce qui lui fait en sorte qu'il a plus le temps de reposer les troupes et t'arrives à connecter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Fait les PDF du coup sur la mousquetaire. Et le golem de glace. Et le golem de glace. Parce que comme ça, en fait, tu tues les deux, l'Arc-X s'y reconnectait sur la tour, et lui, il avait pas le temps, en fait. Il a pas le temps de reposer une troupe parce qu'il s'y attend pas. Ça, c'est un play, tu verras souvent les très bons joueurs faire en 2.9. C'est-à-dire qu'ils vont, boule de feu très rapidement. L'adversaire a pas le temps de réagir dessus. Bon, en fait, c'est beaucoup surprendre l'adversaire. Clash Royale, c'est beaucoup mettre l'adversaire dans une zone d'inconfort. D'une façon ou d'une autre, mais c'est vraiment le déranger, tu vois, le mettre dans une situation dans laquelle il est pas confortable, et réussir à en tirer parti. Beaucoup de similitudes avec le poker au final. Bah ouais, clairement, il y en a beaucoup. Du coup, ça fait déjà beaucoup de conseils, ça fait beaucoup de trucs, je pense. Ah oui, je pense que j'ai largement de quoi appliquer, effectivement. Et si tu devais dire, je sais pas, deux trucs que t'aurais appris ou retenu. Alors, j'ai retenu qu'il fallait que je fasse attention à mon placement de Tesla. Et que contre Lockbait, si je veux Arc-X Def, il ne faut pas que je le colle à la tour, que je mette hors de portée de roquette. Qu'il faut que je fasse attention à la portée de mes kites. Ouais. Et le fameux concept aussi de s'entraîner à dévier sur la tour du roi, par exemple, pour un méga chevalier. Donc ça, c'est un peu plus particulier, donc c'est moins urgent. Ouais. Et les deux premiers conseils, en tout cas, sont appliqués dès maintenant, je pense. Ouais, le méga chevalier, c'est plus haut level hein, comme concept. Réussir à faire des bonnes prises d'aggro, réussir à le mettre au milieu, etc. C'est pas évident. Vraiment, ça fait la différence, mais à très très haut niveau. Mais tu peux t'en sortir sans, tu vois. C'est pas indispensable. Et effectivement, les autres trucs sont un peu plus, quoi. Mais c'est un deck qui demande quand même beaucoup de temps de jeu, d'apprendre à le connaître, etc. C'est vraiment un archétype à part et pas si facile à jouer que ça, le 2.9. Hein. Donc c'est normal que ça demande un peu de temps, tu vois. Ça demande de bien connaître les placements, être à l'aise. Ouais, bah ouais, je comprends, ouais. C'est la difficulté qui t'attire aussi. C'est ça. Yes. Top, top, top. Bah écoute, merci beaucoup pour ta participation. Ben de rien, merci à toi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, si vous avez pu apprendre également des trucs vous-même, et qu'est-ce que vous avez pensé du format de la vidéo. Est-ce que c'est un truc que vous appréciez avoir, etc. En tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer librement, dire exactement qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez ressenti. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et surtout, prenez bien soin de vous.